Salut la Steam et bienvenue dans Anecdote, ce moment privilégié où on est juste toi et moi dans un cadre magnifique et on se confie. Voilà, on parle de nous. Et pour ce faire, hop, je prends une petite question au hasard. Partagez une anecdote sur un petit plaisir de la vie quotidienne que vous avez redécouvert depuis que vous êtes abstème. Et bah écoute. Moi, j'ai un petit plaisir, mais alors vraiment, je ne vais pas aller chercher un truc exceptionnel, mais pour moi, c'est devenu une vraie révolution. Je me rappelle, voilà, quand j'étais alcoolisé, quand j'étais dans mes sorties à outrance, sans fin, d'after en after, je picole, et que j'étais complètement dans cette fuite, hein, pour le coup, je ne voulais pas avoir de réveil. C'est simple, je ne voulais pas de retour à la réalité. Et c'est fou que maintenant, j'ai complètement, mais alors, pris un virage à 360, à 90, à 180, où j'ai ce plaisir qui est complètement dingue et qui est vraiment mais tellement simple. C'est la douche froide. Pourquoi la douche froide? Pourquoi? Parce que avant, je pense sincèrement que l'alcool, c'est un anesthésiant, enfin c'est vraiment un antidépresseur. Enfin, t'es vraiment devenu un zombie, t'es mou, t'es voilà. Et la douche froide. Depuis que je suis abstème, c'est juste complètement dingue pour moi. Pourquoi? Je te l'explique très sincèrement et très simplement. C'est que quand je vais prendre ma douche, alors le concept il est simple, hein, et c'est moi je l'ai rien inventé. C'est tu prends ta douche 3 minutes. C'est 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? Parce qu'en fait, ça va permettre à ton corps d'aller travailler sur les anticorps. En fait, tu as comme un regain d'énergie, en fait, ta température de ton corps va descendre et ton corps va rebooster ton anticorps. Et en fait, c'est complètement dingue parce que ça va te donner mais une pêche. Et en plus, ce qui est fou, alors ça, c'est le moment un petit peu beauté, mais on s'aime comme on est hein, et on s'en fout. Mais aussi, bah, moi, depuis que je suis abstème, et c'est important pour moi, bah, j'ai envie de me faire du bien. Physiquement également, en fait, c'est pas que le côté mental, il y a le côté aussi physique. J'ai repris le sport, j'essaye de manger le plus naturel possible et de faire du bien à mon corps. Avant, je détruisais mon corps et je l'envoyais de la merde sucrée, les coca, les trucs horribles avec l'alcool qui me bouffait à l'intérieur. Maintenant, je veux me faire du bien. Et en fait, cette douche froide, elle te permet à ton corps en plus. En fait, d'aller bouffer les graisses, parce que comme tu as ton corps qui a descendu de tant de degrés, et eh ben ça bouffe. Et en plus, ça te fait maigrir naturellement. Donc c'est génial. Ça te booste, mais un coup de fouet. T'es après, tu tombes pas malade, parce que tes anticorps sont à 500%. Et ça te met un bien. Tu commences la journée. Oh, avant, j'étais dans un état, mais j'arrivais même pas à sortir de mon lit. J'étais une grosse ramasse de merde. Et là, je suis dans un élan, mais de bonheur et tu as envie de bouffer la journée, quoi. T'es un athlète de haut niveau. C'est tous les jours, Paris 2024, je suis prêt, je vais tout niquer. Ah bah là, c'est tous les matins, c'est la médaille d'or. Voilà, bah écoute, si tu as un conseil, toi, un petit plaisir là que tu as redécouvert, et qu'avant pas du tout, et maintenant, mais qu'est-ce que c'est cool. Ça sert à rien d'avoir un truc exceptionnel, on s'en fout. Même un tout petit plaisir là, parce que ça devient un grand bonheur. Mets-le-moi là, dans les commentaires. Et kiffe la vie, parce que la vie, abstème, c'est la vie, elle est folle. En fait, la vraie fête, c'est d'être sans alcool. Allez, abstème, for life.